planter, oui? Non, parce que moi, je préfère les dents. Tu peux y aller, Bill. Chante. Amis, chantons la nouvelle aventure du paladin, défenseur de la loi. Car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. Au petit trot, la justice est en route. Tremblez, coquins, l'heure du châtiment sonne. Voici venir l'angoisse et la déroute. C'est la balade des Dalton. Ah ben ça, c'est pas juste, alors. Ouvrez-moi. Moi aussi, j'ai été condamné. Moi aussi, j'ai le droit d'être en prison. Par Lucky Luke, les Dalton sont en cage. Dormez en paix, braves et honnêtes gens. Le surveillant des odieux personnages, c'est le fameux l'étonnant rentemplant. Tenons à l'œil nos quatre abominables. Il se pourrait qu'ensemble ils nous mitonnent. En grand secret, un de leurs tours pendables, c'est la balade des Dalton. Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Hey Joe, tu vas pas piquer ta crise? Hey, tu vas pas piquer ta crise, Joe. Quand je sortirai d'ici, je descendrai Lucky Luke. C'est pas pour tout de suite. On a été condamné à 4200 ans de travaux forcés. C'est bien, hein? À 3 repas par jour, ça nous en fait un tas. Imbécile, je vais te... Les Dalton, vous êtes demandés au parloir. Au parloir? Qui peut bien vouloir nous parler? Nous ne connaissons pas grand monde. Et ceux que nous connaissons, ils veulent pas nous parler. Le seul que nous connaissons et qui nous parle quelquefois, c'est Lucky Luke. Lucky Luke? Laissez-le-moi! Laissez-le-moi! Où est-il? Où est-il? Je suis ici. Je me présente, Augustus Betting, notaire, pour vous servir. Vous êtes bien messieurs Dalton? Ah oui? Moi c'est Joe, et lui là-bas c'est William. Et lui c'est Jack? C'est exact. Ah ben alors moi c'est Avril. Ah Avril, c'est ça! Messieurs, je vous apporte deux nouvelles, une pénible et une agréable. Nous allons commencer par la pénible, si vous le voulez bien. J'ai le triste devoir de vous annoncer le décès de votre oncle Henry Dalton. Tonton Henry est mort? Faut dire que nous ne l'avons pour ainsi dire pas connu. Mais on nous le citait souvent en exemple. Pareil qu'il avait une personnalité terrible. Rien ne lui résistait. Les banques, les diligences, les trains... Il est mort comment, tonton Henry? Pendu. Mort naturelle, c'est une consolation. Voici son dernier portrait. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Qu'est-ce qui ressemblait à papa? Ah oui, c'était un bel homme. Et la nouvelle agréable. Avant de quitter cette vallée de larmes, Henry Dalton a fait son testament. Il vous a nommé légataire universel. Et nous a laissé tout son butin. Brave tonton Henry. Oui, mais il y a une petite condition. Vous devez devenir l'instrument de la vengeance de votre oncle. Expliquez-vous. Eh bien voilà. Henry Dalton veut que vous... supprimiez tous les membres du jury et le juge qui l'ont condamné. Vous ne pourrez toucher l'héritage qu'après avoir accompli cette... formalité. Ah bon? Il s'agit que de descendre quelques coyotes. Pas de problème. Donnez-moi les noms et préparez l'héritage. Oui, mais votre oncle, voulant être sûr que ses dernières volontés soient respectées, a nommé quelqu'un chargé de vérifier la bonne marche des opérations. Ce n'est que sur son témoignage que je pourrais vous remettre la somme très importante que vous a laissée votre oncle. Ok, ok. Qui est le type chargé de nous surveiller? Le seul homme honnête et digne de confiance que votre oncle ait connu. Il s'agit d'un certain Lucky Luke. Lucky Luke? Bien, je vous laisse la liste des personnes dont vous devez disposer. Si vous ne réussissez pas, toute la fortune de Henry Dalton ira aux bonnes œuvres. Capturé
et Lucky Luke et le forcer à nous accompagner pendant que nous descendrons les types qui ont fait pendre Tonton. Mais s'il refuse, nous lui proposerons une part de l'héritage. Ah oh ben c'est pas juste, Joe. C'est notre Tonton à nous. S'il veut un héritage, il a qu'à se faire pendre son Tonton à lui. Ouais, mais dès que nous sortirons de chez le notaire avec l'héritage, nous descendrons Lucky Luke. Mais si on le descend, il ne pourra pas toucher sa part de l'héritage. Justement, je vais t'expliquer. On n'a pas le temps. Faut s'évader. Vous avez planqué vos pioches. Alors on y va. On va creuser un tunnel. Et Joe, t'as dit un tunnel? Et nous sommes quatre, Joe. En tout cas, s'il y a un seul tunnel, moi je veux qu'on le tire au sort. On sortira tous par le même tunnel. Ça n'est pas un peu fini, non? Un seul tunnel, un pour tous! Et tous pour un! Justement, j'étais le premier, et maintenant vous êtes tous devant moi. Nous sommes sûrement de l'autre côté des murs. Il n'y a qu'à creuser vers le haut. Nous sommes sortis à la surface, Joe, mais il fait tout noir. C'est sans doute la nuit. Attendez, j'ai une allumette. Hé, hey, Joe, je crois que nous sommes dans la poulaillère. Monsieur le directeur, nous avons fait l'appel. Il ne manque que les Dalton. Dieu merci, pas de pertes humaines. Oui, mais Rantanplan a disparu aussi. Messieurs. Salut! La disparition du plus fidèle, du plus noble des auxiliaires de la justice. Nous avons tous admiré son intelligence, son dévouement, l'instinct propre à sa race poussé au point de la perfection. Messieurs, saluons la mémoire de Rantanplan, tombé, ou plutôt sauté, victime de son sens exacerbé du devoir. La prison? Où est la prison? La prison a disparu. On a volé la prison. T'as vu, Joe? J'avais raison. C'était bien la poudrière. Il me semble que ces gens étaient dans la prison. Ce sont peut-être des voleurs. Je vais les suivre. Et Joe, nous sommes suivis. C'est le chien de la prison. Il est déjà sur notre piste. Rantanplan? Aucun danger, c'est un imbécile. Faites comme s'il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? Il nous faut des armes pour capturer Lucky Luke. Et où on va trouver des armes sur cette prairie? Je ne sais pas, mais nous sommes ici pour accomplir les dernières volontés de Tonton Henry. Tonton Henry nous regarde d'en bas. Il nous aidera. Alléluia! Marche, revolver! Achetez mes revolvers, les bons revolvers! Nous aurions besoin de 4 revolvers. Vous tombez bien. Je viens de recevoir des articles de grande qualité. Ce sont des armes très précises. Avec elles, personne ne peut rater sa cible, même pas un imbécile. C'est exactement ce qu'il nous faut, hein, Joe? Avril, tais-toi! Ils sont chargés? Oui, et les ceinturons sont en prime. Ça fait $12 le revolver. Ça nous fait donc $37? Ça fait plutôt 52. Ça fait rien du tout. Toi, Phil, n'oublie pas que ce sont des armes de grande précision. Ouais, et même des imbéciles... Arrel, tais-toi! C'est chaque fois la même chose. Je vais me recycler. Je vais vendre autre chose. Des chevaux, par exemple. On peut pas vous tirer dessus avec des chevaux. Tiens, voilà Tobias Wills, le marchand de revolvers. Il a pas l'air content. Et comment que je suis pas content? Oh, j'ai été attaqué encore une fois avec ma propre marchandise. Attaqué par 4 types sur la route de Ben Push. 4 types? Ouais, il y en a un qui s'appelle Joe et l'autre Avril. J'ai cru remarquer qu'ils avaient comme un air de famille. Les Dalton. Les Dalton? Mais ils ont sauté dans l'explosion de la poudrière de la prison. On en a même pas retrouvé les miettes. Alors, ce sont des fantômes? J'ai été attaqué par des fantômes. Oh, j'ai été attaqué par des fantômes. Fantômes ou pas, je vais aller voir ça de près. Ces deux paires devraient vous convenir. Il s'agit d'un article léger, élégant, qui vous fera de l'usage. C'est toujours comme ça. Ils vous font tout déballer et après ils n'achètent rien. Et avec les juments, c'est encore pire, patron. Écoutez, un cavalier, planquons-nous.
ici, imbécile. Qui est prêt, le chien? Allons. Viens, oh, t'entends. Prends ton plan. Toi aussi, tu as survécu à l'explosion? Mais que fais-tu seul au milieu de la route? Tu es blessé, peut-être? Comme un jeune type. Il a une tête de voleur de prison, lui aussi. Tu n'aurais pas vu les Dalton, par hasard? Ils sont là, les Dalton! Les mains en l'air, Coyote! Nous avons une surprise pour toi, Cowboy. Nous n'allons pas te descendre. Au contraire, nous avons une affaire à te proposer. Prêtons l'oreille aux propos démoniaques de ces gredins alléchant le héros. Ils voudraient en ces horribles macaques le soudoyer pour une part de magot. Quel déshonneur, la chute est sans excuse. Pour de l'argent, Lucky Luke déraisonne. Mais dans son sac, il a plus d'une ruse. C'est la balade des Dalton. Si tu refuses, nous te descendons. Si tu acceptes, tu auras ta part de l'héritage. Alors, Cowboy, ta réponse. Si j'ai une part de l'héritage, d'accord. Et non seulement je serai témoin, mais pour vous prouver ma bonne volonté, je vous aiderai à supprimer les coyotes qui ont condamné votre oncle. Ah, ça m'aurait étonné, moi aussi. Le premier de la liste, c'est un nommé Ming Li Fu. Il a une boutique dans Grass City. Joe, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Et toi? Ce qu'il nous faudrait, ce sont des chevaux. Ah oui, c'est bon, les chevaux. Marchons de chevaux, marchons de chevaux. Les fantômes sont revenus. Il a eu drôlement peur de nous, hein? Vous êtes terrifiant. Ça doit être Grass City ici. Ouais, et voilà notre client. Si vous voulez, je vais entrer seul, je le descends et. Tu nous prends pour les enfants, Cowboy. Nous ne te faisons pas encore confiance. Tout ce qu'on te demande, c'est de témoigner. Noble trajet, tu viens de boire de l'eau de la lessiveuse. Comment? C'est pas un restaurant chinois ici? Ah non, non, c'est une blanchisserie, comme le précise clairement ma modeste enseigne. Permettez-moi d'avoir l'audace de vous dire que vous me semblez avoir bien besoin de mes humbles services. Ah, si vous voulez bien m'en confier vos vêtements, hein? Nous ne sommes pas ici pour faire nettoyer nos frusques. Tu fais partie des coyotes qui ont condamné tonton Henri, mais... Mais non, mais non. Nos vêtements ont en effet besoin d'un petit nettoyage. Je comprends pas, Joe. Pourquoi on l'a pas descendu tout de suite? Parce que nos vêtements ont vraiment besoin d'être nettoyés. Et comme on va le descendre dès qu'il nous les aura rendus, le Chinois aura travaillé pour nous gratuitement. Oh, mon Dieu, t'as un sens de l'humour formidable. Attention, le voilà. C'est déjà prêt? Pas encore. Vous faudra quelques instants de patience, noble client. Hey, il s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? Courons lui après. Vous n'y pensez pas, vous n'allez pas sortir comme ça. Là-bas, il y a des gens qui vont vous regarder. Oh! Oh! Ben, t'es habillé, toi. Cours-lui après. Nous, on va chercher des vêtements dans cette boutique. Hé, hey, Ming Li Fu, attendez! Du calme, Ming Li Fu. Je veux vous parler. Simplement vous parler. Je veux simplement vous parler. Je vais avoir besoin de votre coopération. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Et alors, où est-il, ce Chinois? Il est allé rejoindre ses ancêtres. J'aimerais tout de même vérifier. Filon, mon coup de feu a amené la population. On a assassiné le blanchisseur. Ah non, on
où sont passés mes quatre types à rayures. Tant pis, je vais suivre les autres. Faut qu'on trouve les vêtements, on ne peut pas rester comme ça. Et puis moi, les tissus à fleurs, ça ne me va pas, c'est grossissant. Nous trouverons certainement une boutique dans la prochaine ville. J'en avais assez de courir les routes. On y fait trop de mauvaises rencontres. Tiens, j'ai l'impression que voici les premiers clients. Voilà, 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 j'arrive. C'est encore nous. Ah, c'est là. On dirait une prison. C'est une prison. Le deuxième juré que nous devons descendre, Thaddeus Collins, est directeur de prison. Mais Joe, on peut pas entrer dans une prison. Ils nous laisseront pas ressortir. C'était pas la peine de s'évader pour retourner se jeter dans la gueule du loup. On pourrait y entrer sans être vu, en creusant un tunnel. Mais c'est pas possible, Joe. Des tunnels pour sortir de prison, nous savons en faire, mais pour y entrer... Tu as raison, Avril. Toi, tu peux y aller, cow-boy. Tu vas entrer dans cette prison et tu feras sortir le directeur. Et dès qu'il sera dehors, nous le descendrons. D'accord. Tu ne veux pas que je le descende moi-même dans la prison? Non, fais-le sortir. C'est tout ce qu'on te demande. À chacun son travail et les directeurs de prison seront bien gardés. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Vous êtes bien Thaddeus Collins, le directeur de la prison. Je suis bien Thaddeus Collins, mais je ne suis plus le directeur de la prison. Il n'y a plus de prison. Pourtant, cet établissement ressemble rudement à une prison. Ça n'est plus une prison parce qu'il n'y a plus de prisonniers. Une prison sans prisonniers, c'est un repas sans fromage. Un enfant sans la tendresse d'une mère. C'est une rose sans parfum. Mais ce n'est plus une prison. Où sont-ils, vos prisonniers? Évadés. Ils se sont tous évadés. Nous étions en famille ici. Je les considérais tous comme mes enfants. Je les drôlotais. Mais je n'ai eu affaire qu'à des ingrats. Venez voir, étrangers. Venez voir. Ils ont creusé des tunnels partout. Ils ont même soudoyé les gardiens qui les aidaient à creuser. D'ailleurs, j'ai renvoyé les gardiens. Les derniers prisonniers ont dû creuser tout seuls. Bien fait pour eux. Et maintenant, il ne me reste qu'à prendre mes bagages et partir. Moi aussi. Vous comptez sortir par la porte? Oui, je sais que dans cette prison, ça n'est pas très habituel, mais je ne vois pas de raison pour... Je vous expliquerai. Il y a un tunnel par ici? Oui, sous le tapis, là. C'est le prisonnier qui était chargé de faire le ménage dans mon bureau qui l'a creusé. Un homme qui avait toute ma confiance. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi vous sortirez par ce tunnel. Il faut mettre du temps pour sortir de cette prison. Tu trouves? Papa, ça lui a pris 40 ans. Merci, Lucky Luke. Il y a une seule chose qui me fait de la peine. C'est de penser qu'un autre occupera ce bureau et qu'il sera le nouveau directeur de cette prison. Soyez sans crainte, Monsieur Collins, il n'y aura pas d'autre directeur dans cette prison. Ah, voici Lucky Luke. Mais il est seul. Le directeur, où est-il? Il refuse de sortir. Il refuse de sortir? Ouais, il dit qu'il n'abandonnera pas son poste. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit que si on veut le faire sortir, il faudra faire sauter la prison. J'ai une idée. On va faire sauter la prison et le directeur avec elle. Ah, c'est une idée formidable, Joe. Où vas-tu chercher tout ça? Bon, pour mettre une mine sous la prison, il nous faut de la dynamite et des pelles. Marchand de dynamite et de pelles. Marchand de dynamite et de pelles. Il est drôle, ce marchand. Il n'y a jamais moyen d'avoir une conversation avec lui. C'est vrai. Dès qu'il voit un client, il se met à courir en hurlant. Assez discuté. Au travail. Je crois que nous sommes arrivés. La
dynamite est là? Oui, Joe. J'ai pas vu une mèche assez longue pour que nous puissions l'allumer de l'extérieur. Tu l'as, Jack? Non, Joe, c'est toi qui l'avais. Je sais pas où elle est. Pour la retrouver dans cette obscurité. Attends, Joe, j'ai une allumette. Bravo, vous avez réussi. J'ai fouillé les décombres, il ne reste plus rien. Le directeur de la prison s'est volatilisé. Ils ont recommencé. Ils ont volé une nouvelle prison. Incorrigible. Ils sont incorrigibles. Le troisième juré est un certain Plume de Serpent. C'est un sorcier indien. Il habite en plein milieu du désert de la soif. Le désert de la soif? Ben quoi? Ça serait pire si c'était le désert de la faim. Ici verdoie l'herbe de la prairie, où le ruisseau coule parmi les fleurs. Promenons-nous près des sources jolies, en cette ébène aux charmants sorceleurs. Mais attention, franchis cette limite, car au désert que le diable tisonne, pauvres oiseaux pris de cuisson subite, c'est la balade des Dalton. Plus mort que vif apparaît un fossile, un cavalier stoppé en plein galop. Brave pionnier dans ce désert hostile, tu as trouvé un job de tout repos. Seuls des bandits animés par la haine sont assez fous quand les autres abandonnent pour affronter l'impitoyable plaine. C'est la balade des Dalton. Oh, ça s'arrange pas. Voilà maintenant qu'on a volé le décor. Eh, il te reste de l'eau? Non, Joe. Tu n'as pas voulu m'écouter. Je t'avais dit que nous ne portions pas assez d'eau. C'est vrai, Joe. T'aurais dû l'écouter. On a soif, Joe. Je n'ai pas à l'écouter. Ce n'est pas lui le chef. Et pour ce qui est de l'eau, pensez à autre chose. Chanter. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Oh, oh. Arrête, tais-toi. Nous sommes arrivés. Plume de Serpent. Vous attendre. Moi être dans mon bain. Dans son bain. Que désire visage pâle. Même dans le désert, dès qu'on se met dans baignoire, être dérangé par appel. Nous avons soif. À boire. Un instant. Tu viens des coyotes qui ont condamné Henry Dalton. Hugues. Alors nous venons de descendre. Mais on a soif, Joe. Joe, on a soif. Les affaires d'abord. Descendons-le. Après, on arrosera ça. Si vous tuez moi, vous pas boire. Ici, désert de la soif. Faut être fou dans sa tête pour croire que trouver de l'eau ici. Mais la baignoire... Moi, sorcier, ma magie est puissante. Si vous tuez moi, vous pas avoir d'eau. Ou venir grâce à magie. Eh bien, donne-nous d'abord à boire. Nous te descendrons ensuite. Ça me paraît raisonnable. Ça, très raisonnable. Vous attendre. Visage pâle, pas avoir soif? Ouais. Mais je voudrais vous parler d'abord. Et sans vouloir vexer mon frère Rouge, je me méfie un peu de cette eau. Visage pâle, avoir cerveau sous scalp. Et pas avoir tort de nourrir méfiance dans son cœur. Et maintenant, face de terre cuite, tu vas... Moi mettre poudre de champignons dans l'eau. Des champignons, ici? Moi avoir cave très humide. À propos... Visage pâle, vouloir bière bien fraîche, limonade, ice cream, soda. Quel effet vont leur faire vos champignons? Simplement faire de beaux rêves. Nous avoir tout le temps de parler. Écoutez, rêve commencé. Like a fish.
fingers of your hand, sticking together like a brother should. Without each other, we never could. It's understood, me the handsome gun is known as Dalton's, dancing like feathers on a string. Witty and charming and so very chic, you'll have to admit that no one could be so neat than the famous Dalton boys. Descendu, Joe, tu ne t'en souviens pas? Ah oui? Ah oui? Ne restons pas ici, nous n'avons plus rien à y faire. Tu as raison, cow-boy. D'abord, vous entre. Ne t'inquiète pas pour leur tour, vieux frère, je me suis arrangé avec Plume de Serpent. Il m'a promis que nous ne manquerions pas d'eau. Quel climat! On ne sait plus comment s'habiller. Quand est-ce qu'on mange? Il m'a mordu, Carmen. Les chiens? Eh non, pas les chiens, caramba! Les plus grands saints! Il faut vite retirer la main quand on lui présente un plat. Patron, on nous a dit que le docteur Aldous Smith était dans la région. Le docteur Smith? Oh si, je le connais bien. Il est passé par ici ce matin, en direction du nord. Vous les rattraperez facilement. Bon, on y va. Seigneur,
la petite addition. Je m'en occupe. Ok, si ça t'amuse de payer. Alors, comme ça, vous connaissez le docteur Smith? Si, très bien. C'est un ami. Il est un peu, oh, comment le dire, seigneur, un peu charlatan. Mais il ne fait de mal à personne. Dans ces flacons, il n'y a que de l'eau. Sauf sa petite bouteille personnelle. Elle est pleine d'alcool de cactus. C'est moi qui l'ai lui fourni. Les docteurs, ils ne supportent pas l'eau. Ça vient? Cobaye. J'arrive. Vous voulez goûter, seigneur? Ce sera pour la prochaine fois. Adios, amigo. Oh, my darling, Clementine. La, la, la. Elle est tienne, Esculape. Elle est top, je t'en verserai une bonne lampée. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des clients qui arrivent. Attendons-les. Eh bien, le docteur Smith. Pour vous servir, messieurs, et je vois par votre hâte que vous avez bien besoin de moi. Oui, bon, écoute. Et vous ne pouviez pas mieux tomber. Je suis diplômé de plusieurs grandes universités, aussi bien européennes que locales. J'ai dans mes flacons de quoi vous redonner vigueur et santé. Nous ne sommes pas ici pour... Parce que, pour ce qui est de la santé, vous me semblez, mes amis, sans vouloir pour autant vous inquiéter, assez mal en point. Je vois en vous les symptômes les plus graves de toutes les déchéances et de toutes les infirmités. À l'œil nu, on peut voir que vos foies sont malades, vos estomacs déficients, vous avez le regard terne, le poumon rachitique, que le muscle avachi, le grand, vous, là-bas, l'état de votre cerveau m'inspire les plus vives inquiétudes. Quant à cet animal, qui rappelle vaguement un chien, il me semble être un remarquable exemple du sens de l'humour parfois trop audacieux dont aime faire preuve la nature. Tout cela pourrait être tragique, mais vous m'avez trouvé sur votre chemin. Je suis en effet l'inventeur, que dis-je l'inventeur, le bienfaiteur de l'humanité qui, après de longues années studieuses, a mis au point un élixir... Tu vas taire, ouais. Un élixir qui guérit tout et tous, les hommes comme les bêtes. Et cet élixir que voici, je ne le vends pas 100 dollars, je ne le vends pas 50 ni même 20, je le vends, vous allez rire, je le vends 5 dollars la bouteille. Je ne fais pas cela dans un but de lucre, mais seulement pour me permettre de continuer des recherches dont toute l'humanité bénéficiera. Bon, puisqu'il ne veut pas m'écouter... Attends, Joe. Non, franchement, je me sens pas très bien. Peut-être que son élixir... Moi, ça va pas très fort non plus. Mais prenons l'élixir d'abord et... Pas question. Et même si je ne me sens pas très bien moi-même... Doc, cette bouteille, c'est quoi comme élixir? Non, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas à vendre. C'est dangereux. C'est très dangereux. Par contre, mon élixir... C'est du poison. C'est ça, c'est du poison. À présent, extrêmement violent. Dans cette bouteille, il y a de quoi supprimer une tribu d'Apache, un régiment de cavalerie ou un Irlandais dans la force de l'âge. Je te vois venir, Joe. Hein? C'est une idée diabolique que tu as là. Qui? Moi? Ouais. L'idée de lui faire boire son poison pour économiser une balle et lui donner une leçon. Ouais, ouais. Vous avez vu, les gars? C'est une idée diabolique. J'en ai des temps comme ça. Bois ton poison, charlatan. Boire mon... Mais pourquoi? Parce que t'as fait partie du jury qui a fait pendre l'oncle Dalton. Voilà pourquoi. Alors bois, ou je gaspille une balle. Eh bien, il ne me reste qu'à obéir. Un homme de science va disparaître, victime de l'ignorance. Je voudrais en profiter pour raconter quelques épisodes édifiants de ma vie qui... Quoi? Bien. Adieu, humanité ingrate. La traite de l'or dévore l'homme avide. C'est la ruée, la foire aux illusions. Le flanc pelé des collines arides produit surtout rocailles et déceptions. Du monde entier, on accourt, on se presse. L'appât du gain est si fort qu'il harponne les citoyens de toutes les espèces. C'est la balade des Dalton. Vous connaissez Tom O'Connor? Tom O'Connor, oui, il est sur la colline là-bas. Il n'a jamais trouvé un gramme d'or et pourtant il a creusé sa colline dans tous les sens. Il est devenu fou, il tire sur tous ceux qui s'approchent. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, si ça se trouve il est mort. Tom O'Connor est le jury suivant. Allons-y. L'entrée de la mine de Tom O'Connor, ça n'a pas l'air accueillant, soyons prudents.
Si vous voulez, je vais y aller le premier. Pas et... question. C'est moi qui vais, c'est moi le chef. Oui, bien sûr, mais... Aucun de vous deux ne sera le premier. Le premier, c'est Rantanplan. Voyons, voyons. C'est sans doute un jeu. Que dois-je faire? Oh, il y a une chose qui leur fait toujours plaisir. Je vais faire le beau. Réflexion faite, cow-boy. Vas-y le premier pour voir si la voie est libre. O'Connor! 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 Ne bougeons plus, O'Connor! C'est vous qui avez tiré sur le canon de ma carabine? Ah, c'est malin! Vous l'avez sans doute faussé! Bon, tuez-moi, non plus! Je ne viens pas vous tuer, je viens vous parler et nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais... qu'a fait-il? Il s'est peut-être fait descendre. Ce sera embêtant. Pour toucher l'héritage, il faut qu'il vienne avec nous pour témoigner. Et je ne vais pas être privé du plaisir de le descendre moi-même. Regarde, Joe. Où est Tom O'Connor? Justement, quand j'ai réussi à entrer dans la mine, je n'ai vu personne. Il n'y avait que cette carabine qui flottait en l'air et qui tirait toute seule. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est comme ça. Tout ça n'est pas naturel. Je n'aime pas ça. Il a peut-être raison, Joe. Le type en bas, il nous a dit qu'on n'avait pas vu Tom O'Connor depuis longtemps. Les gens pensent qu'il est mort. Tout ça, ce sont des bêtises. Tom O'Connor a dû filer à l'intérieur de la mine quand il nous a vus arriver. Poursuivons-le. Tu viens, cow-boy? Ah non, moi je n'y vais pas. Je veux bien me battre contre les desperados, mais pas contre des choses que je ne comprends pas. Ben moi, je me suis souvent battu contre des choses que je comprenais pas. Laisse tomber, Avril. Notre héros n'est qu'un foie jaune. Va nous attendre en bas, cow-boy. Nous, on va à la recherche de O'Connor. Vous allez vraiment vous lancer vers l'inconnu dans ce wagonnet? Wagonnet? Ah oui, bonne idée. On embarque. Dis, Joe, si je reste avec Lucky Luke... Pour le surveiller, Joe. Embarquez! Ils vont faire une promenade qu'ils n'oublieront pas sitôt. C'est moi-même qui ai posé les rails. Parfait. Vous aurez tout le temps de préparer notre petite mise en scène. Salut. Nous cherchons un ami, Tom O'Connor. Et que lui voulez-vous à Tom O'Connor? Oh, rien. On aimerait bien descendre, si ça ne vous dérange pas. C'est déjà fait. Je suis Tom O'Connor. Je suis mort dans ma quête insensée de l'or. Désolé pour vous, on ne tue pas un fantôme. Par contre, je me demande si je ne vais pas vous emmener avec moi dans les mines du diable. Alors, ramasse. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce type? Comme ça, imbécile. Vous l'avez descendu? Pour être descendu, il était descendu. Tu pourras en témoigner, cow-boy. Je te crois sur parole, Joe.
Je vois. Je mise 100 dollars. On en va. Foule au roi par Vinice. Un renseignement. Nous cherchons un certain Sam Game. Il paraît qu'il fréquente ce tripot. Sam le tricheur? Non, il vient pas ici. Les gars lui ont conseillé d'abandonner le jeu. Alors un beau jour, il a vu la lumière, comme il dit, et il s'est repenti. Maintenant, on l'appelle le révérend Sam. Il est devenu prêcheur. Vous le trouverez dans son église au bois de la rue. Qu'est-ce que je vous sers? En tout cas, ça fait le cinquième du jeu. Merci. Salut. En temps plan, ici. De ses manches infernales et vous entraîner dans... Sam Game, je voudrais te dire deux mots. Oh, chut! Silence! Asseyez-vous! Mais je mène. Oh, assez! Chapeau! Chapeau! Je disais donc, mes très chères sœurs, mes très chers frères, que l'orgueil est comme un foulot aux as par les rois. Il peut à tout moment être battu par le plus modeste des carrés de sept. Misez toujours sur la modestie et la vertu. C'est comme ça que vous empocherez les pots les plus succulents. Amen. Bon, maintenant... Ensuite. Et maintenant, comme nous le faisons toutes les semaines, nous allons faire une partie de loto. Je vous rappelle que chaque carte vaut 5 dollars et qu'elles sont vendues au bénéfice des œuvres de la paroisse dont j'ai la responsabilité. Miss Worthless Penny, voulez-vous distribuer les cartes, je vous prie. Oh, oui. Le 2. Le 18. Le 26. Ça y est, j'ai gagné. C'est extraordinaire. C'est toujours vous qui gagnez, révérend. C'est miraculeux. Oh, mais le ciel vous protège, vraiment. Alléluia, au grand jeu de la vie, vaincra toujours celui qui joue à qui perd gagne et qui songe à bâtir des châteaux en Espagne. Alléluia. Je serai heureux de vous accueillir dimanche prochain. Grâce à des âmes charitables, nous aurons une table de roulette. Allez en paix. J'ai deux mots à vous dire. Écarte-toi, cow-boy. Il est à moi. Si vous désirez vous emparer du produit de la caisse, je vous préviens que c'est un péché mortel. Alors je vous propose plutôt de la jouer au dé, à qui tout double. Tais-toi. Tu es bien Sam Game, un des coyotes qui ont condamné Henry Dalton. Nous sommes ici pour te descendre. Je vais le descendre moi-même. Attendez-moi dehors et... Pas question. Fais tes prières, prêcheur. Mais Joe... Ne vous disputez pas, mes frères. Je suis prêt à me présenter devant le grand croupier. Et je confie volontiers le sort de mon âme à sa divine roulette. Je ne demande qu'une seule faveur. Autorise-moi, mon frère, à jouer une dernière fois. Jouer à quoi? À la roulette russe. Une seule balle dans le barillet de mon revolver et je recommencerai autant de fois qu'il le faudra pour que je perde. D'accord? Laisse-le faire, Joe. C'est émouvant. Oh oui, je parie 10 dollars qu'il perd du premier coup. Ok, ok, mais fais vite.
Je vais voir s'il ne s'est pas raté. C'est mon rôle de témoigner. Dépêche-toi. Je ne veux pas être ici quand les paroissiennes reviendront. N'aie point d'inquiétude, mon frère. La balle était pipée. Miracle. Je l'aurais parié, révérend. Moi aussi, mon frère. Stop. C'est ici. Qu'est-ce qu'il y a ici, Joe? Il n'y a rien ici. Si, il y a ça. Le suivant sur notre liste est Bud Bugman, conducteur de locomotive. Toutes les semaines, il conduit le train qui quitte Flagstaff Bend en direction de Rocky Terminal. Il passe par ici. Nous n'avons qu'à l'attendre. Joe. Ouais? Comment feras-tu pour l'arrêter, le train? Si on faisait une barricade avec des troncs d'arbres? Il n'y a pas d'arbres dans le coin. Il n'y a pas de pierre non plus. On pourrait faire sauter un pont. Il n'y a pas de pont. Ben, on a qu'à en construire un. La seule chose à faire, c'est de faire dérailler le train. Nous n'avons jamais fait dérailler un train. C'est très facile. Faites ce que je vous dis. Oh, is! Oh, is! Oh, is! Oh, is! Oh, is! On n'aurait pas pu faire dérailler le train en tordant un seul rail? Probable. Mais en tordant les deux, on double les chances de réussite. C'est juste. Ci sarei trop long à t'expliquer, Pepe. Continuons plutôt la sieste. Vous savez, ça va même se terminer, ce petit voyage. Continuez, il faut que je vous explique certaines choses. Armes sur l'épaule. Pour réparer la palissade. Vous n'auriez pas vu passer un train? Il est à nous, ce train. J'ai déjà arrivé à gratter un train, mais c'est la première fois qu'il y a un train qui me rate. Moi, Joe. Il a essayé de me jeter hors de la locomotive. Il l'a déçu.
descendu. Ce desperado a descendu Bud. Il l'a balancé par-dessus bord. Arrêtez-le, monsieur. Qui que vous soyez. Oh, 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 oh. Bon, eh bien, en route. Hey Bud, on les a bien eus, hein. C'est pas une raison pour te moucher dans ma casquette. Bonjour, mon fifi. C'est lui, Mathias Bones, le dernier juré. Je vais le descendre. Oh, dis Joe, c'est toujours toi et Lucky Luke qui descendez les types. Nous, on fait de la figuration. William a raison. C'est le dernier juré. C'est notre dernière chance de rigoler. Ce qui serait gentil, c'est qu'on le descende tous ensemble, en famille. Pour une fois, c'est une bonne idée. Ah oui? Pour une fois, c'est une bonne idée. En tout cas, je vous déconseille de le descendre en ville. Je connais Tumbleweed Springs. Ici, il ne rigole pas avec la loi. Rien pour moi aujourd'hui, chérie. Non, croque-mort, les gens se tiennent tranquilles. On ne plaisante pas avec la loi ici. Si on plaisantait un peu plus avec elle, la vie serait plus gaie pour moi, chérie. Ça... Bonjour, docteur. Alors, comment vont nos affaires? Je vous ai déjà dit de ne pas me parler en public, Bones. J'arrive, papa! Bam 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 bam. Écoutez, laissez-moi suivre le croque-mort. Il quittera sûrement la ville à un moment donné. Je tâcherai de connaître son itinéraire et vous pourrez lui tendre une embuscade. D'accord, cowboy. Mais attention, tu n'y touches pas. Il est à nous. Bam 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 bam. Qu'est-ce que ce sera? Comme d'habitude, quelque chose de froid et de raide. Je peux vous dire un mot? Vous avez besoin de mes services? Et non, pas pour l'instant, mais... Vous êtes nouveau en ville. Si vous voulez, je vais prendre vos mesures. Ça nous fera gagner du temps le moment venu. Vous savez, je prends des réservations aussi. Monsieur Bones, je suis ici pour vous éviter de devenir votre propre client. Alors, cowboy. Cet après-midi, le croque-mort part avec son corbillard. Pourquoi faire? Il paraît que les affaires sont mauvaises, alors il fait du porte-à-porte. Il va passer par une petite route déserte au sud de la ville. Le meilleur endroit pour tendre une embuscade, c'est ici, devant les rochers rouges. Ok, cowboy. Va nous attendre à Palomino City, notre prochain rendez-vous. Bon, c'est entre les rochers rouges. Tu sais ce que tu as à faire. Ne bouge pas. Il faut que je finisse de te maquiller. Enfin, alors, on a volé aussi le cheval blanc. Il ne va pas tarder. Moi, je reste de ce côté-ci avec William. Jack et Avril, allez de l'autre côté derrière les rochers, là-bas. Et dès qu'il passera devant nous... On l'a eu, les gars. C'est tout de même chouette de rigoler en famille comme ça. On devrait faire ça plus souvent. Si papa et maman, ils avaient pu nous voir. Vous vous souvenez quand on était petit et qu'on allait attaquer les banques avec les parents? Ouais. Et en rentrant à la maison, on chantait tous ensemble. Oh, give me a home, where the buffalo roam, where the rendez-vous annuel de la ville, c'est la fête. Nous ne sommes pas ici pour faire la fête. Nous avons descendu tout le jury.
Il ne nous reste plus qu'à supprimer le juge Groovy. C'est lui qui a prononcé la sentence contre tonton Henri. Et après, à nous l'héritage. Ça ne va pas être facile, venez voir. Le voilà, le juge Groovy. Il préside le rodéo, c'est impossible de l'approcher. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Après le rodéo, le juge donnera une réception dans son ranch pour tous les concurrents. C'est à ce moment qu'il sera possible de l'approcher et de le descendre. Donc, pour pouvoir aller à la réception ce soir, il faut s'inscrire dans le rodéo. Bonne idée. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Hein? Épreuve suivante. La capture des veaux. Pour un exercice idiot, c'est un exercice idiot. Ciel, voilà que j'ai perdu mes voleurs de prison. Oh, mais je crois bien qu'ils sont en face. C'est beau, l'instinct du plus noble des animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas l'air assez intelligent pour être un veau. Il est à nous. Eh ben, laissez pas traîner vos cochonneries n'importe où. L'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer. Rentemplan nous a donné l'exemple. Et maintenant, le dressage des chevaux sauvages. Ça. C'est la seule chose qui nous permettra d'approcher le juge. C'est peut-être pas la peine qu'on y aille tous. William, tu te plaignais que c'était moi qui faisais tout. Eh ben... Ah non! Ah non! Ah non! Tu sais très bien que j'ai pas les reins très solides. Jack, par contre? Ah, moi, j'ai toujours été délicat. Tu te souviens quand on allait attaquer les diligences? Maman disait toujours, Jack, mets ta petite laine. Ah ouais, je me souviens. Jack, mets ta petite laine. Jack, mets ta petite laine. Qu'est-ce qu'on vous a même à regarder comme ça? Avril. On a une bonne surprise pour toi. Ouais, c'est toi qui vas descendre le juge. C'est pas une bonne surprise, ça? Ah ouais, ouais. Bon, c'est Avril qui s'y colle. Luc, tu t'inscris aussi parce que tu dois être témoin quand Avril descendra le juge. Vas-y, Avril. Où ça? Nous avons deux concurrents de dernière minute. Avril Smith et Lucky Luke. Le premier, Avril Smith. Je veux pas y aller! Je veux pas y aller! C'est vrai, on va la voir! Ton gauche! Soigne ton gauche! Ton jeu de sort! Il est à moi, ce cow-boy. C'est moi qui l'ai dressé. Lucky Luke, vous êtes le champion. Nous sommes désolés de vous interrompre, mais c'est l'heure de fermer. Et je rappelle à tous les concurrents que je les attends ce soir dans mon ranch. Alors, il est prêt, Avril? Ça va être l'heure. Depuis le rodéo, il est dans un drôle d'état. Il ne reconnaît personne et je crois qu'il ne se souvient même pas qui il est. Faut dire que le cheval ne l'a pas gâté. Hé, Avril,
Ça va? Ça va, Avrel. Qui êtes-vous, messieurs? En tout cas, vous avez une drôle de tête. Ouais. Tu crois qu'il est en état de descendre un juge? Franchement, je ne vois pas une grande différence avec son état normal. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Je l'accompagne. Attendez-nous ici. Alors, vraiment, tu ne te souviens de rien? Vous savez que vous aussi, vous avez une drôle de tête. Bon, alors attends-moi, j'ai une petite course à faire. Après, on ira boire un verre. Je voudrais acheter un exemplaire de votre journal. Voilà, il est tout frais. Non, je veux une édition spéciale. Une édition spéciale? Mais il n'y a pas d'édition spéciale aujourd'hui. Eh bien, je vais vous la dicter. J'espère qu'il aura réussi. Ce juge est le dernier obstacle entre nous et l'héritage de tonton. Et puis après, je pourrais descendre 8-8. Il a réussi. Il a été formidable. Lisez la Palomino Gazette. Édition spéciale. Toutes les informations sur le meurtre sauvage du juge Groovy. C'est vrai, il a réussi. Écoutez, le juge a été descendu pendant la réception qu'il offrait au concurrent du rodéo. Son meurtrier, un certain Averell Smith, a réussi à disparaître. Bravo, Averell. C'est formidable. Un vrai héros. En route pour Nothingall. Nous avons rendez-vous avec un héritage chez le notaire Augustus Bepé. Soyez les bienvenus, messieurs. Tout s'est passé comme prévu, je pense. Ouais, et l'utilité peut en témoigner, pas vrai, Cowboy? Mais oui, tout s'est passé exactement comme prévu. Parfait, nous n'avons plus besoin de toi, Cowboy. Et je vais... Un instant. Il y a encore une petite formalité. Écoutez, j'aimerais qu'on écourte les formalités. Enfin, faisons les choses dans les règles. Si vous voulez bien passer par ici... Nous attendions, le jury a eu le temps de délibérer. Vous êtes accusé de tentative ratée de meurtre. Lucky Luke peut en témoigner. Messieurs du jury, votre verdict? Coupable. 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 Hugues. Coupable. Coupable. Vos vêtements sont prêts. Ça fera $5. La cour vous condamne à retourner en prison et à y rester pour de bon. Lucky Luke, espèce de coyote! C'est toi qui as tout maligoté! Moralité, les sinistres compères n'ont pu toucher le magot scélérat déjà versé par les soins du notaire dans les tiroirs du grand orphelinat. Tonton Henri, tu n'avais rien d'un ange, mais en ce jour que le ciel te pardonne, nos chers enfants, chante en cœur tes louanges. C'est la balade des Dalton. J'ai retrouvé la prison. J'ai capturé presque tous les voleurs de prison. Sauf le cow-boy avec son cheval. Mais je finirai bien par le rattraper un jour. Ainsi finit les Dalton la balade. Le quatuor se repose en prison. Rêvant de coups, de vol et d'embuscade. En attendant la prochaine évasion. Petits et grands qui avaient de l'estime pour les brigands, les coquins, les filous. Si vous voulez réussir dans le crime, soyez d'abord très rapide aussi court. Soyez d'abord très rapide aussi court.